cooking, kissing, man. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want some, never mind, just let me know. Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est le jour du retour. On est un peu dégoûté avec les genoux, même avec Chouchou. Même si Chouchou il est bien content de retrouver son petit confort quand même. On est en train de s'habiller, je suis en train de faire le ménage, en tout cas déjà le rangement de nos fringues. Après on fera le ménage vite fait. Et on se prépare aussi pour aller déjeuner parce que bah, du coup on n'a rien à déjeuner ce matin. Et on crève un peu la dalle, sachant qu'on n'a pas mangé depuis bah, hier soir. Bon, après ça paraît logique jusque là. Mais voilà, ce matin on a super faim. Hop là. Et voilà, donc j'ai pas mal de petites choses à ranger, j'en ai là, enfin ça c'est la serviette pour Chouchou peut-être. On a un paquet de chips ici et un petit sac à ramener. Et ben voilà, j'ai les chambres à faire, les draps de lit à enlever, etc. Un petit coup de ménage, ça va être un petit coup de balai, ça sera largement suffisant pour ce qu'on a fait. Oui chérie, oui je te passe le peigne. Je te passe ça. Voilà bref, donc ce matin, ah je me suis fait mal au pied. Ce matin on va ranger tous les draps de lit, déjeuner et s'ils sont sages on va peut-être voir si on peut se faire une petite partie de mini golf. Parce que Nolan me l'a demandé il y a au moins 4, 5, 6 mois et je lui avais dit que pendant les vacances on se ferait une petite partie de mini golf. Chose qu'on n'a pas faite et qu'on s'était dit bon au pire des cas on trouvera bien ça à faire dans le camping ou pas loin d'un camping. Donc voilà, voilà notre programme d'aujourd'hui et après ce sera le retour, le dépôt, enfin voilà, Léa a redéposé chez sa maman, les affaires à préparer pour le lendemain, les machines à faire, etc. Tiens. Donc voilà, c'est bon, t'es sorti Chouchou? Ouais. T'es tout nu? Non, il est pas tout nu, ça va. Je vous épargne les horreurs. Bon voilà, bref, allez, sur ce, grand ménage. Allez, je commence. Alors, faut chercher un personnage. Ouais. Alors, je dis une tour. Cheveux longs. Je sais. Je pense. Moi, c'est un animal. Ouais, faut chercher. Attends, tu feras après. J'ai dit trois mots. C'est un animal, d'accord? Ok. C'est très gros. Ça a des très grandes oreilles. Éléphant. J'ai pas dit le troisième mot. Et ça trompe. Éléphant. Un mot. Environnement. Environnement. Environnement, c'est. Un endroit. Un endroit. Non, un monument. Allez, monument, on va faire. Monument, ok. Monument. C'est en fer. On dit pas jusqu'au. C'est en fer, c'est en pic. Et c'est à la capitale de la France. Paris. Tour Eiffel. Petite pause. Sandwich. Je mange carrément dans le sachet parce que j'ai donné des sachets au loulou. Et comme on avait 3 sandwichs pour 4, je me suis sacrifiée. On se fait une petite pause pipi. Et on va finir nos sandwichs sur l'aire d'autoroute. Parce qu'on n'arrive pas à manger comme il faut. Et Chouchou va pouvoir manger son sandwich aussi comme il faut. Donc voilà, parce que c'est pas tout, mais ma foi, on a faim. Chouchou aussi a faim. Arrête, Nolan. Banane. Ah oui, carrément, il s'est mis carrément sur la table, le chien. Bon, ça y est, on repart. Donc on venait de passer la rocade. On s'est arrêté pour manger parce qu'on avait très faim. Et que Chouchou voulait manger convenablement, pas dans la voiture à l'arrache. Allez, toute la série de camions. Elle va se faire des gangues. T'es bon. Et bon bref, du coup là on a bien mangé et on a gardé le meilleur pour la fin. On s'est pris des bonbons. Enfin les loulous se sont choisis des bonbons. Donc voilà. Ça va nous occuper. Ça va nous occuper pour le reste du trajet. Walou walou. On est bientôt arrivé n'empêche. Ouais, du coup on n'a pas été au golf parce que de toute façon c'est dimanche, que la saison est terminée et que bah, tout ce qu'on a testé ça va marcher. Ferme ta vitre, Nolan. Ferme ta vitre s'il te plaît, ouais. Et ouais, donc comme on est dimanche évidemment tout était fermé et le fait que la saison soit fermée, bah, forcément ça en rajoute une petite couche. Donc on est parti.
directement du mobilhome, on a rendu les clés et on est allé chercher de quoi grignoter pour le trajet et on est parti dans la foulée. On va arriver du coup vers 4h30 je crois qu'ils ont dit. Vers 4h. Même pas, 2h30 on est là. Avec une heure là. Ah bon? Ah oui. Bon bah voilà, donc vers 3h on sera à la maison alors. Parfait, encore mieux. Et après on va attaquer le... enfin, les machines. Peut-être une petite révision pour Nolan, enfin qu'il lise sa lecture à Chouchou. Ah bon? Ah bon? Bon ben, vous verrez ça plus tard en fait. Ça y est, on est rentré et du coup on est en train de faire un mini golf sur Biarritz. Chouchou nous a fait la petite surprise de dernière minute. Comme ici sur Biarritz, les mini golfs sont ouverts jusqu'à 20h. Donc voilà, donc là on est au quatrième, comment on appelle ça, terrain? Trou. Trou, quatrième trou. Non, non, non. Et voilà, et c'est autour de Nolan. Et fort. Allez. Ah, faut tirer fort, hein. On met là au truc là. Ouais. Ah, faut faire super fort, hein. Voilà, du coup on a 18 trous à faire, donc on est qu'au début. Après on rentre à la maison, on va faire toutes nos valises et tout ça. Et voilà, on est content d'être rentré et en même temps on est content de pouvoir se détendre avant les, avant de faire les tâches quotidiennes, on va dire. De reprendre les tâches pas cool. Enfin, chiantes surtout. Voilà, ça y est, on est rentré à la maison. Autant vous dire que là on est tous qu'à foutre. Entre temps on est allé au mini golf. On s'est posé un peu chez papy mamie pour leur montrer toutes les photos et tout. On s'est tous douchés, on a tous tout rangé. Et là on est enfin posé. Ça fait du bien de se poser chez soi quand même. Je suis contente de partir en vacances, mais je suis aussi contente de rentrer, de retrouver mon chez moi, de retrouver mon chien, mon chat, mes poissons, bref. La totale. Faut que je vous montre un truc. Je me suis fait piquer hier par une bestiole. J'avais un tout petit bouton hier. Mais ce soir c'est très très gros. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose. Ouais, peut-être que je me mets à des... Voilà, ça prend tout mon bras en fait. On voit pas grand chose en fait. Bref, ça prend une énorme... Voilà, là on voit peut-être un petit peu mieux. Ça me fait une très très grosse bosse. Je sais pas du tout par quoi je me suis fait piquer, mais c'est très imposant. Ça me... Je vais pas dire que ça me double le poignet, mais il a sacrément pris un petit volume. On verra ce que c'est. J'irai voir demain si ça continue de gonfler. En tout cas, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal, c'est très lourd et c'est très chaud, donc... Et puis on n'arrive pas à savoir vraiment où est-ce que je me suis fait piquer, enfin où est la piqûre. Et voilà, est-ce qu'il en reste surtout, donc voilà, c'est pas grave. Tant qu'on ne m'ampute pas le bras, enfin je dis ça mais on sait jamais, mais ça a pas l'air de plus grossir. Je sais pas si on voit mieux là. Attendez, si je me mets sur un coin blanc, peut-être que vous allez peut-être mieux voir. Vous voyez là? Ouais, là on voit bien. Voilà. C'est ma piqûre. Je me suis faite bouffer comme jamais et alors comme par hasard j'avais pris de l'antiseptique, du spray antiseptique pour les petits bobos, les éventuels petits bobos. J'avais pas pris de trucs pour les piqûres parce que je me suis dit bon, on se fait jamais piquer, on se fera pas spécialement piquer là-bas, on y va que de nuit, c'est pas grave si on se fait piquer. Mais j'avais pas prévu de me faire sucer le sang comme ça. Donc voilà, écoutez, c'est la vie. En ce qui concerne nos bagages, nos valises, on a bien géré. Finalement on a manqué de rien, on a juste manqué de spray anti-moustique. Après franchement on avait de tout, on n'avait pas trop. On avait surtout de l'eau caoutchouc, enfin, qui nous a peut-être pas servi mais qui aurait pu nous servir. Donc franchement on s'est bien débrouillé, les valises étaient bien faites. J'avais pensé, et heureusement grâce à Isa, à prendre du papier toilette et des sacs poubelles. Et j'ai pris une multiprise aussi. Chouchou, c'était Chouchou qui me l'avait dit. Donc la multiprise nous a servi. Le papier toilette, heureusement qu'on en avait parce qu'on est rentré, on est arrivé là-bas vers 11h. Et c'est la première chose qu'on a faite, c'est d'aller tester les toilettes parce qu'on n'en pouvait plus sur le trajet. Et il n'y avait pas de papier. Donc Chouchou a été le premier à y aller, heureusement. Parce que du coup, on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas. Heureusement, j'en avais dans les Vanity. Et du coup, les sacs poubelles, c'est pareil, on n'en avait pas. J'en avais que deux. Donc il y en a un qui m'a servi pour les affaires sales, que j'ai regroupé tout au final. Alors, en fin de séjour, j'ai regroupé tout le sale dans une valise avec un sac poubelle.
et tout ce que t'es affaires Nolan et Chouchou et Léa dans une, enfin en gros toutes nos affaires dans une, et après j'ai remis les draps dans une autre, voilà, bref, on s'est très très bien organisé. C'était cool, on a hâte de pouvoir repartir, on projette plus ou moins de partir ailleurs, mais l'été prochain évidemment. Et voilà, on sait pas trop encore où, mais on est content de pouvoir se dire on va faire plus grand et plus long la prochaine fois. Et du coup on mettra sûrement plus, enfin franchement ça vaut le coup. On avait mis un petit peu de côté en fonction de nos capacités évidemment, sans pouvoir se priver ailleurs. Mais là franchement, bon, ça c'est mon avis, je trouve que ça vaut vraiment le coup de se priver, pas toute l'année, mais au moins 6 bons mois dans l'année, pour passer un bon été. Donc voilà, on verra avec Chouchou ce qu'on fait, mais franchement moi je suis fortement capable de repartir une semaine, deux semaines, ça me fait absolument pas peur, au contraire j'ai presque hâte d'y retourner quoi. Bref, les vacances sont finies, je reprends le boulot demain, donc les daily vlogs vont s'arrêter aussi, enfin pour le coup les daily vlogs étaient arrêtés déjà hier, mais voilà, je vais vous mettre toute la petite série, vous aurez vu du coup toutes les petites séries juste avant, enfin les deux derniers vlogs, et après je vais reprendre mon petit train-train quotidien, donc là j'ai demandé à avoir mon mercredi pour Nolan pour le garder, donc mes jours de repos seront mercredi, vendredi sur une semaine, et l'autre semaine j'aurai normalement le mercredi et le samedi et dimanche. Donc voilà pour le programme. Évidemment je reprends le sport aussi, enfin je ne m'arrête pas parce que j'ai repris la semaine dernière, et Chouchou va reprendre aussi ses matchs de rugby, et puis ben voilà quoi, la routine va reprendre, on aura Léa du coup en décalé toujours, et enfin en décalé, on aura normalement, si rien ne change, on aura Léa et Nolan en même temps cette année, si rien ne change, je dis bien parce qu'en général ça change. Et voilà, bref, pour les infos du futur, ce sera comme ça. Évidemment, je revloguerai que pendant mes jours de repos, sauf si éventuellement on fait quelque chose d'extraordinaire après le boulot. Mais voilà, ou si j'ai envie de vous filmer une petite routine de semaine, après ça dépendra de vous, ça dépendra de ce que vous me demandez aussi. Donc voilà, bref, sur ce, nous on va, donc on s'est tous douchés, on va aller manger à McDo et après on va aller ramener Léa. Donc je vais vous laisser là, j'espère que ces petits vlogs... vacances, week-end, mini-week-end vous ont plu. Moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !